Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, à quelques jours de la manifestation programmée par les forces vives et le FNDC, le CNRD a déjà mis son plan pour étouffer cela. Et nous allons vous expliquer le plan que les bandits du CNRD ont déjà mis en place. Je vous dis, vous allez vous fatiguer. Et le CNRD, ils ont prévu d'arrêter tous les leaders de ces grands partis, que ce soit UFR, que ce soit le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ils veulent arrêter les leaders. Que non, comme ça, ils vont étouffer. Hey, ce pays-là appartient à tout le monde. Les partis politiques, là, les grands partis là, politiques, ils représentent 90% de l'électorat guinéen. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est zéro. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est zéro. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de manifester. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de sortir. La vérité doit triompher. Comment est-ce que vous allez... Vous avez dit que vous n'êtes pas candidat. Alors, pourquoi empêcher les partis politiques? Et pourquoi mettre, je ne sais pas, des plans en marche quand vous allez arrêter des leaders? C'est leur plein droit. Ça vous fait une année et demie, bande de vauriens que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Alpha Condé? Ou mettre, ou on peut même dire que voilà, le soubassement va, bon, donnons-le du temps, bande de vauriens que vous êtes. Tout ce que vous êtes en train de faire, l'arrogance, voler, piller le pays. Vous êtes en train de construire un peu partout. Et vous voulez que non, qu'on reste là assis, qu'on croise les bras. Oui, c'est l'État, bande de vauriens que vous êtes. Et pourtant, vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé. Soi-disant que la vie, rien n'allait, c'est rentré, c'est sorti, il y avait l'injustice, les Fonikemanga, ils étaient en prison. Bande de vauriens que vous êtes. Et qu'est-ce que vous, vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait, bande de vauriens? Mettez le cœur, hein. Vous les connaissez toujours. Bande de vauriens que vous êtes. Vous n'avez rien compris. Bonsoir à tout le monde. Nanyuma. Mbara falu nyere nko CNRD ko akeni malu yale kwa kambere balu. Kambere balu kana ka coup d'état ke. Ka jamana na si ka jamana rotien. Sonu. Et regardez, aya, aya na jamana mafene. Jamana wanya mafene. Allez jamana wanya mafene. Attendez, toi, Ousmane Barry, là, je vais bien te bloquer ici. Que RPG ne peut pas bloquer. C'est qu'il faut nous dire ton parti. Tu es de l'UFDG. Nous, on peut parler. Nous, on n'a pas mis El Hassan Oudal au dehors. Tout ce qui se passe aujourd'hui, là. Nous, on n'a pas mis 14 500 personnes à la retraite. Avant le coup d'État, il y avait plus de 1 milliard et demi de dollars dans les caisses. Les grands projets, bande de vauriens que vous êtes. Vous avez applaudi le coup d'État. Continuez à applaudir. Regardez-moi des idiots comme ça que le RPG ne peut pas critiquer. Parlez maintenant. Le discours du 5 septembre, ça a été respecté? Bande d'idiots. D'ailleurs, même, je suis en train d'accuser l'UFDG. C'est des gens du CNRD. Souvent, même, c'est un nom sans photo, rien. Ce sont eux qui créent seulement. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est la division. Bande de vauriens que vous êtes. Cambre balou de palou nanalte fausse la foi. Qu'il va arrêter certains responsables de l'UFDG. Vous allez arrêter tout le peuple de Guinée. Les prisons sont remplies. Vous allez arrêter tous les Guinéens. Bande de vauriens, de narcos que vous êtes. Fissilulom Balilou. Entre ces fosses-là, Cambre Bayakouma Bansan. Son Bansan Kenignon Kokan. Qu'est-ce que vous avez pu apporter à ce pays-là? Dites-nous. Vous voulez qu'on ne parle plus? Hein? Ok, Arthur 224, toi tu es banni sur cette page ici.
des maudits comme ça là. On les donne un petit 500 000, 1 million seulement, bande de vauriens. Moi, je vous ai dit, si nous, on voulait bouffer l'argent de vos grands là, ce n'est pas des petites sommes, c'est des milliards. Mais on préfère demain. On préfère le peuple. On préfère garder nos dignités. Dites-nous ce que vous avez pu apporter. Dites-nous ce que vous avez pu apporter à ce pays. Dites-nous. Voilà. Dites-nous ce que vous avez pu apporter. Absolument rien du tout. Tore sur tore. La souffrance, la galère. C'est tout ce que vous avez pu apporter à ce peuple de Guinée. Ils sont allergiques aux critiques. Les journalistes, les faux journalistes, Bar Café de Guirassy, tous ceux qui étaient là hier en train de gueuler sur le pouvoir du président Fakonde, ils ont fermé leur bec. Parce qu'eux-mêmes, ils disent grande gueule. Donc on peut dire leur bec encore. Des faux journalistes comme ça, des affairistes. Et le Mamadi Soare, et là, il a quoi d'encadrer comme Alou. Celui qui est l'ennemi de la Guinée, celui qui allait tuer des Guinéens, celui qui allait prendre des mercenaires pour venir tuer là. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un, prenez les armes. Allah Fissurilom Bali, Mamadi Doumbouya. Allez au Fola Wolima, Fissurilom Bali. Kakobeta Kakanye. Combien de morts le 5 septembre? Fissurilom Balilou. Il y a quelle justice aujourd'hui? Les bandits sont en train de construire chaque jour. Fissurilom Balilou et Bonola, Sounitere. Ils sont en train d'humilier les autres. Al-Kaoufalouma. Moi, j'aime ça. Ça arrive, vous me poussez même. Ça dit, tout le mal que j'ai dans mon corps, là, quand vous venez comme ça, là, vous me. Ça dit, Doumbouya même là, n'a opéré là, l'air miné là, quoi. Venez. Sinon, les pros Doumbouya me connaissent. Eux-mêmes, ils ne regardent pas mes directs. C'est après mon direct seulement, ils viennent regarder. Alors, moi, vous allez me provoquer là. Venez. Ça, j'aime ça. C'est là même, je tape sur Doumbouya même. Si je l'oublie un peu là, vous me rappelez. Nasia Koka, la Fissurilom Balia. S'il y a ennemi de la Guinée, pas plus que Doumbouya. Parce que Fissurilom Bali, où est Doumbouya? Kakobeta Kakanye, Kambere Banayere. Il a quel niveau d'étude? Votre maman dit Doumbouya, il a quel niveau d'étude? Dites-nous. Il a fait quoi pour l'armée guinéenne? Bande de. Ne faites pas. Si ce n'est pas à cause des bonnes personnes, si c'est. Mais on connaît Mbara Versel Alcoca. Elle dit bonne page là, si c'est. Kambere Banusou. Aïna Kissi, Yamarakuna. Ah, tu sais, fausse les là. Il est flanqué dans son palais là-bas. Il peut aller où? Pour chercher quoi pour la Guinée? Il peut venir à la Banque mondiale. Il peut aller à l'Union européenne. Il peut aller dans les pays arabes. Il est flanqué dans son coin là-bas. Kambere Baluakaka, Yamarawari Moumeta, Kakalu Saoui. Des voyages inutiles. Qui n'apporte rien, aucun contrat signé dans l'intérêt de la Guinée. Des bandits sont là. Le seul souci de Mamadi Doumbouya, c'est sa sécurité, de la manière qu'il a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Et c'est ce qui continue. Vous avez vu quel pays où on met des gens à la retraite sans recruter? L'éducation aujourd'hui est bafouée, 16 000 enseignants. Non. On peut dire à qui aujourd'hui qu'on est Guinéen. Toi, tu veux. Qui? Quelle est la personne réfléchie qui peut dire Mamadi Doumbouya, c'est mon président. En âme et conscience. Un pays comme la Guinée, qui regorge autant de cadres, de bons cadres. Toi, tu peux prendre la photo de Mamadi Doumbouya pour dire à quelle personne pour dire voici mon président. Ou voici la Guinée. C'est lui qui gère la Guinée. C'est pas une honte, ça. Ce n'est pas une honte. Qu'un légionnaire devient président en Guinée. Un légionnaire. Il n'a ni le niveau. Sangba. Monsuyao. On dit organiser des élections. Foutre le camp. Vous avez fait le mal. Moi, je pensais que le type là, il était un peu intelligent. Mais wallah, manalumaye kama Mamadi Doumbouya. Moi, je pensais que tu peux faire le mal. Ibara Djamfake. Mais tu peux te racheter. Djamanakole, Betale. La Guinée en Betale. Nous sommes d'accord. Tu peux faire, tu peux trahir, mais te racheter. Non, même Kalon, il est entouré. Allez, Fissurilom Balili. Ils sont en train de voler. Les Amaras sont en train d'acheter des maisons à 2 millions de dollars. Cash.
Vous êtes en train de construire nuit et jour. Vous êtes en train de construire nuit et jour. Ja, ne kankononko le type, nko hankirimale adina kosra. Regardez encore, Amara qui est en train de construire. C'est que Albert, toutes les constructions aujourd'hui à Conakry, ce sont les gens du CNRD. Vous voyez? Regardez tous ces immeubles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et plus 10. À lui, oh Lola. Maintenant, on est en train de humilier le docteur Kassori, le docteur Diané. Ça dit, pourquoi monnaie et ces banas, quoi? Non, mais c'est foutaise, quoi. Vous, des bandits, vous voulez parler de justice. Ce pays-là appartient à tout le monde. Vous n'avez pas le niveau de El Hassanou Dalé. Vous n'avez pas le niveau de Sidia. Vous n'avez pas le niveau de Dr Kassori. Vous n'avez pas le niveau de Dr Diané. Vous ne pouvez rien apporter ce que ces gens-là ont donné à ce pays. Bande de tonneaux vides, de vauriens. Ils n'ont ni le niveau, à part l'arrogance, se gonfler sur le monde. Bande de traîtres. Ils viennent se flanquer que non, nous allons parler de ceci, cela, à Sinita, à Bonita. Oui. Mamadi Diakité, c'est vous qui parlez. Moi, je suis là. Nena Mamri Kono. Vous avez parlé la dernière fois. Oh, Damaro. Parce que vous avez tous cru. Damaro est là toujours. Il fait ses vidéos chaque jour. Ils ont mis Damaro. Il est tant, tant, tant. Ceux qui connaissent Damaro, demandez-les. Si vous avez vos parents là, demandez qui est Damaro. Voilà. Parce que moi, je ne viens pas ici pour commander. Parce que tout ce que vous avez voulu faire, on va essayer c'est quand tu humilies quelqu'un dans le vrai, ça va lui choquer. Mais tu humilies quelqu'un dans le faux. Vous avez fait le truc là avec mon colocataire. Ça vous a donné quoi? Damaro est là chaque jour. Il fait, toi Diakité qui parle. Chaque jour, il fait ses vidéos. Je suis assis, je fais mon Uber. Je finis tout de suite là. Je commence à rouler. Il mange, vous le voyez chaque jour. Il ne fait que prendre du poids. Mais comme Dankadé n'a lié, vous pensez que Bé a l'union aussi. Je vous ai montré, moi et le chef bandit, Mamadou Doumbouya. Ne Dankadé ne ko. Moi, je ne vomis pas et pour avaler cela encore. Nto okela. Je ne le ferai jamais. Le jour qu'il va faire ce que je veux, avoir ce jour-là, Nda Nyuma Fokabalouma. Mais Fissoulom Bali, Nteke Fissoulom Bali fait. Dieu même n'aime pas l'injustice. Bandi le son lui n'a qu'à coup d'état que Kambre Balou, Narkolou. Quoi t'es fort? Hein? Quoi t'es fort? C'est faux, dit là, Djamana Kona Delouma. Comme vous dites que vous voulez arrêter les responsables des partis politiques, arrêtez. Et les conséquences, vous allez voir. Vous allez voir les conséquences. Alors, il y a la Guinée, Aldi Modoma, vous allez faire peur aux gens maintenant? Non. Oubliez ça, les gars. Ce pays-là appartient à tout le monde. Voilà. Hier, vous avez tout fait, vous avez signalé ma page, non? Mais aujourd'hui, ce n'est pas revenu. Et hier, ce n'est pas revenu. Vous avez tout fait. Je vous ai dit, vous allez échouer dans tout. Facebook, là, ce n'est pas pour le papa de quelqu'un. Facebook, là, ça appartient, c'est pour tout le monde. Je paye l'Internet. Voilà. Donc, arrêtez vos conneries un peu. Allez à la Mamadi Nyama Fene. Hein? Allez, Mamadi Nyama Fene. Ate Sunora, il ne peut même pas dormir. Regardez son visage. Mamadi, c'est toi Sunora, regardez-le. Souci, autant Mamadi Fouala. Regardez le premier jour. Regardez le jour du coup d'État. Son visage, il était en forme. Regardez-le. Hein? Et quand vous regardez les photos de Mamadi maintenant, regardez. Ate ce Sunora. Souci. Mamadi a cru que non, le pouvoir c'était du jeu. Voilà. Il a cru que c'était du jeu. Et regardez les photos de maintenant. Avec, hein? Regardez. Mamadi avait cru que non. Il pensait que le président Alpha Condé était là pour la forme. Ah, il a qu'au démagogie pour venir faire. Voilà, j'ai donné. Il pense que c'est ses actes pareils là. Hein?
Allez, la côte démagogie, qui Koumabri devant Elay Seguna. Tu penses que c'est ça le pouvoir? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Wallahi, maman dit, Idabasakuro Bediboya. Bedaï, Idabasakuro di Bobenya Koroya. Vous pensez que prendre le pays, regardez-moi, de telles bêtises. Regardez, hein? Ça a dit, quoi, mon être, c'est banambara, mais nous, quand même, pas groupe, mais nous, ma fenena. Hein? Regardez. Regardez. Quoi, Djamana? Hein? Quoi, président d'un pays? Hein? Non, dans le cas, il a gagné, quoi, voilà, dans le cas, il y en a Djamana, quoi. Et puis, ce jour, la voiture, là, Bill Gates, le dossier est justice, là. Et ce jour-là, maman dit, prends la voiture là, de Bill Gates pour aller à l'aéroport. Regardez la voiture ce jour-là à l'aéroport. Ça dit, maman dit, on peut faire le mal, se racheter. Mais maman dit, il est, ça dit, Nyango Bansa n'a créé. Les groupes de Gilassi là, Nyango Bansa. Nyango groupe Bansa n'a créé. Des gens qui sont là seulement pour des règlements de compte. Hein? On parle Mamadi. Regardez, ça c'est la maison de Mamadi. Ça c'est la maison de Mamadi. La maison qui est là, ça c'est la maison de Mamadi. Lui, il va enlever l'argent où? Après, on vient s'arrêter. Non, Kriev, ils ont fait ça. Bandi, lou, son, lou, narco, lou. Rafali, il y a la fissure, l'on balia, ou le casson. Allah fausse de ça, nous là. Rien du tout. Allah se fausse les clans là. Foy. Vous ne pouvez rien contre nous. Rien du tout. Allah te fausse les quais. Allah karamonte ça, là. Allah mourit sana, Allah djinat sana, Allah fausse, parce que anou ya Allah le ko. Hein? Vous allez beau faire, vous allez beau parler, vous allez appeler des gens. Allah ma fenêtre, le jour du coup d'état, le bandit, quand il a fait le coup d'état, lui-même il était dans le regret. Moi, il m'a dit, il y a un crisoro, il y a un foko, qu'on a sababou, aka kenya nyaka. Présent, il faut qu'on ait la pouvoir, mais à Kasseke, Sanji Bissabaniko, à Essela, à Nani Kafo spécial créé, Kafanka Dinema. Eh, ok, Mbran Kumakara, Ilo, Nasababu Boni Diamino, Nemiri, Anakomo Lumafana, Nalula Kanta, mais Fissililom Balilu. Quand lui au mot ou la malheur, Anunyakoro, quand Mira Ako, Danka Denanouye, comme Alfono Nyamika. Voilà, Danka Denanouye. Eh, Wariko Teo, si c'est question d'argent, Albera conscience Chamansa, mais. Allah Nyangbouya, Allah Nyangbouya, Allah Fisrilom Balia. C'est à cause de tout ça, les gens ne peuvent pas vous aimer. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, Nyangbonu. Et le Mamadi Nala Lomina, il m'a fait. Il m'a fait. Le jour que tu venais, regarde comment tu étais. Foy Tuntidi, foy. Foy Tuntidi. Elle est na coude ta que kocheli. Wallahi chetiye. Moi, je suis un peu plus de la présence de la Fakonde. Moi, je suis un peu plus de la Fakonde. Légionnaire Fanny, les trucs qu'on a. Toi, tu n'as jamais été dans l'armée française. Tu étais légionnaire, mercenaire. Voilà. Allah John. Et le Kenny, là, nous, Nyanabiko. Et le. Quille Nyonte. Wallah, il m'a dit, Oteka, nous, Nyanabiko. Il m'a dit, Oteka, Nyanabiko. Fé. Et la Nyangboya, Oteka, nous, Nyanabiko. Et voilà, nous m'a qu'elle a, anda nous m'a fait. Voilà. Toi, le maudit Djakité là. T'as vu? Nena la bandi l'été, Mamadi l'été. Mamadi n'était rien. Mamadi n'était rien. C'est Mamadi ça. Voilà. C'est Mamadi ça. Hein? Albraye. Albraye, nene Mamadi l'été. Vous voyez comment Mamadi était en forme au temps du président Alpha Condé. Mais bien, bah regardez-moi le général. Moi, je prends du poids. Mais nous, quand général, moi, souci. Alcalo, il faut la souci, mais moi, je vous dis la vérité. Et quand je finis, je vais à mes occupations. Albraye, Nene Mamadi, ma fenebi. Ne barabouya, ne Mamadi, ebi. Tellement que Soussou, Ota, ma kousala. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Toi, tu viens, tu as humilié ton bienfaiteur. Tu dis que non, lui, ton bienfaiteur, lui n'a rien fait. Le sac de riz était à 200 et quelques, au temps de ton bienfaiteur. À ton temps, c'est 300 et quelques. Les travailleurs de la fonction publique, toi, tu es venu mettre 14 500 personnes, presque une ville de la Guinée, pour tuer l'économie guinéenne. Même l'État, rien. Qu'est-ce que toi, tu as apporté?
Et les chantiers de ton bienfaiteur, tu viens te flanquer dessus. Comment que tu es en train de travailler pour tromper le peuple de Guinée. Une année et demie, les dadis ici, ils ont créé leur propre projet. Exécuté. Le trésor public aujourd'hui, rien du tout. Les caisses sont vides. 16 000 enseignants contractuels, vous n'arrivez pas à payer. Côté fort. Côté fort. Anda fort. Pion. C'est ça. Si vous êtes capable de faire quelque chose là. Moi, je pensais qu'à l'heure actuelle, ils avaient dit que non, à partir de 2022, c'est fini, ils vont recruter les gens. Qu'ils allaient recruter combien de personnes? Ils ont dit devant tout le monde. Presque 20 000 personnes. Nous sommes à le combien aujourd'hui? Même 500 personnes, vous n'avez pas pu. C'est dans l'armée aujourd'hui encore, là, pour créer un nouveau Kaléa, pour tromper le peuple de Guinée. Donner de l'emploi, vous ne pouvez pas. Simandou, 11 700. Hein? Non, mon frère Sam Kaba, même des pros de Mouya, wallah, je dis mon petit, parce que lui, c'est, des fois je le disais, ignorant. Il était en Guinée tout récemment. La maison que Amara a achetée, c'est à partir de là, le petit me dit, il dit, grand, j'avais confiance, et ils étaient là, j'ai vu des chantiers en cours. Je dis, parce que tu ne peux pas comprendre, tu es ignorant. Tu ne sais pas comment on obtient un chantier comme ça, un projet comme ça. Tout ça, là, ça a été validé par l'Assemblée, les Damaro. Et le projet, tout ça, le contrat, ça a été financé par, en tout cas, par nos partenaires, grâce au gouvernement du président Alpha Condé. Les poses de pierre, tous, le président Alpha Condé avait fait des poses de pierre. Les bandits sont venus accélérer ça pour tromper le peuple que eux ils sont en train de travailler. Au temps du président Alpha Condé, il n'y avait pas assez de communication sur tous ces trucs. Les Guirassi, là, ne montraient même pas cela. Vous avez vu les Guirassi nous montrer ces choses-là? Mais aujourd'hui, parce qu'on leur donne de l'argent, il faut tromper le peuple. Mais ce qui compte, ce n'est pas le ventre de Guinéens. Ce n'est pas le ventre d'abord qui doit être la priorité. Quand on met des familles à la retraite sans mesure d'accompagnement, des militaires à la retraite sans mesure d'accompagnement, le pays va aller où? La débauche aujourd'hui, le père de famille ne peut même pas dire à sa fille, hé, il n'a ramené. Il t'a mis à dire, il m'a dit, il m'a dit, il n'a mais jamais. N'a dépense bam. Khamé, n'a dépense bam. Et ta mounoma dépense badé. Il finit de dire Khamera. C'est pareil pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi moi je suis fier de parler. Parce que si j'avais pris l'argent du CNRD, ils allaient fermer ma bouche. C'est ça le problème. Avec les politiques, quand tu bouffes leur argent, c'est fini. Tu deviens leur esclave. Tu peux rien dire. Ibraka la joy. Ibra finira kounira. Imounoma cesse falade. C'est ça les gens-là. Quand tu prends l'argent avec eux, c'est fini. Udundu mané. Kaita mudundu etana minima erlikana. Donc, mon nom, c'est cela. Damaro travaille pas. Mais Damaro n'a jamais dit à quelqu'un ici, donnez-moi de l'argent. C'est ça le problème. Hein? Damaro s'habille. Damaro mange. Damaro est devant vous chaque jour. Il ne vient même pas pour vous dire, aidez-moi, faites ça. Mais tu vas les voir, ils viennent se flanquer ici. Tellement qu'on les dérange. Que, lui n'a rien à faire. C'est les gens du RPG. Vous avez gelé le compte de tous les anciens dignitaires. Vous avez gelé le compte de tous les anciens dignitaires. Qui va donner l'argent à qui aujourd'hui? Même pour dire que les Damaro, là, c'est des pères de famille, les docteurs Kassourou et les docteurs Diané. Ils ont des enfants, ils doivent prendre. Ils ont servi le pays pendant 11 ans. Pour dire, attends, ok, on va prendre un tiers. Non, on va prendre deux tiers. De leur compte. Le temps de faire la justice. Mais les un tiers, ils ont une famille, ils ont servi la nation pendant 11 ans, ils ont été des ministres, ils ont eu des bons salaires. On va prendre un tiers. Non. On détruit des familles. On gèle leur compte. On les met en prison. On les humilie. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas pitié de nous. Parce que si on a Kalita aujourd'hui, c'est grâce à ces gens. S'il y a en Afrique aujourd'hui, Agnès, tous ces projets pour aider les pauvres, c'est grâce à ces gens. Mais vous, des vauriens, des tonneaux vides, vous n'avez même pas de niveau. Des vauriens réunis, des bandits, des narcos. Que vous allez humilier ces gens. Que Allah subhanahu wa ta'ala va avoir la pitié de la Guinée. Wallahi, on va traîner dans ça. Dieu ne va pas nous aider. Parce que Allah n'aime pas l'injustice. Quand l'homme fait semblant, tu penses tromper les gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Wallahi, Dieu n'aura pas pitié de vous.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Et des médias, des journalistes vendus comme les Guirassy là, ferment leur gueule. Les Abaka Diallo là, des démagogues comme ça, ils ferment leur gueule. Parce que quand ils passent dans des bureaux, on leur donne des billets verts du dollar. Et ces escrocs viennent se flanquer dans les médias pour tromper le peuple de Guinée. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils sont méchants. Déjà, on fait le... Monsieur Oyo, il avait 11 ans ministre. Quel que soit ce que vous les reprochez, ils ont des familles. Ils ont servi de là, ils ont gardé de là, ils ont fait des épargnes. Je suis d'accord. Ok, on dit, voilà, il y a la justice. On prend 2/3 de leurs revenus. Ok, ils ont une famille. Madame est là, les enfants. Mais non, ils s'en foutent, détruisent la vie des gens. Et pourtant, ceux-ci-là ont tout fait pour vous. Même fois, Doumbouya, ça a été dit que Doumbouya avait fait le coup d'État. Et je vous fais ça, les confidences aujourd'hui. Docteur Kassori a été consulté. Même Docteur Kassori là, a été consulté. Que Doumbouya avait fait le coup d'État. Tellement qu'il ne croyait pas. Moi, Damaro, allez-y regarder mes vidéos. Chaque fois quand les gens parlaient de coup d'État, je dis, vous êtes malade. Je dis, nous, on a Doumbouya. Wallah, c'est comme ça. Je me... C'est pourquoi je ne peux pas aimer Doumbouya. Vous m'avez vu ça, la photo avec Doumbouya. J'étais fier quand je lui ai vu. J'ai dit, c'est nous qui vous défendons ici, grand. Vous avez vu ma photo avec Doumbouya. Mais c'est les mêmes là aujourd'hui qui font quoi? Regardez Amara, son oncle, Louseni, est mort pour une histoire de 20 millions. Et, transition, vous n'êtes pas les élus du peuple. Personne ne vous a pas mandaté. Personne ne vous a mandaté. Une transition, c'est d'appeler tout le monde autour de la table. Il n'y a pas de règlement de compte pendant. C'est un président élu par le peuple qui peut faire des poursuites, faire ce qu'il veut, comme veut le peuple. Mais pas des bandits qui ont tué les gens le 5 septembre. Qui doivent rendre des comptes. Il y avait combien dans les caisses de l'État? Vous avez tout vidé. Combien vous avez volé à la présence? Au lieu de réfléchir, faire des bonnes choses. Non, l'arrogance. Et vous voulez que les gens vous aiment. Regardez vos popularités le 5 septembre et maintenant. Quand vous remarquez le 5 septembre, parce que le monde, l'être humain, toujours veut le changement. Même si aujourd'hui on donne des étages à chaque Guinéen, ils vont dire encore qu'ils veulent plus. C'est comme quelqu'un, quand tu es en Afrique, tu veux venir aux États-Unis. Tu viens ici encore, tu n'as plus l'envie de rester ici. Tu veux, adieu, envoie-moi au paradis directement. C'est comme ça. Tu as le de Bonyangbouya là. Les docteurs Kassouro ont été consultés ici pour dire Mamadi veut faire coup d'État. Tous ceux-là n'ont pas cru à ce coup d'État. Ils ont dit c'est pas vrai, c'est jalousie. Même le président Alpha Condé, ils ont dit oui, il veut faire le coup d'État. Le président Alpha Condé n'a pas cru. Et Kafoko, Oumousso et ça, il est Mamadi Kering. Il est fils de l'ombaliaque. Maman dit, il te s'est dit à la molunye. Il te s'est dit à la molunye, maman dit. Il nyambo. Il commande le nyambo. Il crève mon le nyambo. Maman dit, tu n'as pas de conseiller. Tu n'as pas de conseiller. À le nyambo. C'est quand on est l'élu du peuple, on fait ce que veut le peuple. Et vous là, hein, si on vous dit demain, vous avez tué les gens là, qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? Vous allez dire quoi? Le 5 septembre, les gens qui sont morts, qui vous a mandaté? Vous allez dire quoi? Et vous êtes là en train de... Elle a essayé dans l'air Guinée. Ça veut toujours nous ramener en arrière. Oh, tant. Une année, les docteurs Kassouri sont avec vous. Et Allah, Al-Talmiri, Al-Tislan, Al-Agné. Libérez les gens. Appelez les gens autour de la table. C'est compliqué. Mais je vous ai dit, ceux qui vous poussent à le faire, là, les lanceurs d'acuité et consorts, eux, là, ils ne peuvent pas. Même devenir maire de Cancan, l'ancien Akouyaté, il ne peut pas. Même maire de Sigiri, il ne peut pas. Mais comme Altéhank, ils seront là. Altéhank, ils seront là. Si tu étais intelligent, tu allais sortir par la grande porte ici. Appeler tout le monde. Laissez tout le monde. Laissez les partis politiques. Si c'était affaire de durée, personne, qui s'en fout? C'est toi qui sais. Quand, au fur et à mesure que tu dures, il y a plus de problèmes. Ce n'est pas la durée de la transition qui est le problème. C'est vos comportements bidons, là. Les arrestations bidons. À être allergique aux critiques, c'est ça le problème. C'est pas, la durée n'est pas un problème. Si tous les gens, là, vous avez laissé, c'est Louda, tous ces gens-là, autour d'une table. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle constitution on veut? Laissez les grands partis. C'est eux, les vrais leaders. Mais non. On écoute des fouillantés, les Eli Kamano. On écoute des fouillantés, des gens qui ne représentent absolument rien dans le pays. Les bonnes personnes, on les fait la guerre. Si vous n'avez pas l'intention de rester. Sinon,
Toi, tu dis que moi, les membres de mon gouvernement, personne ne sera candidat. Mais ceux qui vont compétir, là, au lieu de donner la chance aux vrais leaders, ceux-mêmes qui créent des problèmes, les 11 ans passés, c'était le RPG arc-en-ciel et l'UFDG. C'est les deux. La solution, c'était d'appeler ces leaders-là. Voilà. Comme il y avait la contestation de la Constitution, qu'est-ce que vous voulez? Mais non, on ne veut pas faire ça. On fait l'ignorance, on fait l'arrogance, on fait la démagogie. Et vous pensez que le pays peut avancer dans la confusion pareil. Au lieu d'appeler des vrais leaders. Non. Vous pensez qu'on va vous conseiller? Bande de bambins que vous êtes, ancré d'Olu. Quand vous commencez à lier vous dit. Comme vous voulez la pagaille là. On est dans la tête. Le Lakoudou peut devenir commandant. Le général peut devenir Lakoudou. C'est comme ça. Quand c'est gâté, c'est gâté. Voilà. Allons-y. Vous n'avez pas de, comme vous dites que vous avez fait pour vous-même, il reste pour le peuple maintenant. Donc, la famille, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Merci d'avoir liké. Et le combat continue à bas les putschistes. Et nous demandons aux leaders des partis politiques UADG, ANAD, RPG, Arc-en-Ciel, UFR d'être vigilants. Le plan que le CNRD a mis en place, ils pensent qu'ils peuvent étouffer. Regardez les manifestations de ces derniers jours. Ce n'est pas les partis qu'ils appellent. Il n'y a pas de courant, le peuple est fatigué. Il n'y a pas de travail, les gens sont fatigués. Il y a les vols. Ça finit même pas quoi. Trop de vols aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de boulot. Quand vous arrêtez un projet en cours, 11 700 Guinéens, des salariés, vous les mettez à terre comme ça. 14 500 fonctions publiques. Les enseignants contractuels, 16 000. Vous êtes incapables de gérer ça. Mais bon, comment le pays là peut aller? Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Alpha Condé? Aldo Tabarake Kunagoyaye. Alte Hankiri Soro Bouton. CNRD Alte Hankiri Soro. Alko Kanya Alte, Anketo Altolaye dit. Alte Sila Koka. Tous ces gens qui nous suivent là, qui nous. Ante Fendi la Doma, Anoute Wari de la Doma, Ante Promesse que la Donia, Aliye Mikelanyo le Fola. C'est tout. Donc, Mamadou.